Romain Derieux, vous allez présenter Gone Boy dans le Prix d'Amérique. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur son dernier travail ce jeudi matin? Bah bien, bien. Il avait fait un bon boulot mardi, il a retravaillé ce matin, tout est ok. Vous allez au bout de votre idée en le déférant des quatre pieds. Il a été que plaqué et déféré des postérieurs jusqu'à présent? Ouais, voilà, on l'avait plaqué un coup. À Cagnes? À Cagnes, c'était sa deux ou troisième course après sa longue absence. Et puis le lendemain, il a été malade pendant 3 jours avec de la fièvre, donc c'était plus compliqué juger. De le juger là-dessus. Et en plus, il est nettement mieux physiquement à l'heure actuelle que l'année dernière. Il était encore pas trop sûr dans ses allures pour finir et tout. Que là, ça fait un moment quand même que je suis bien en sécurité. Et on l'a vu l'autre jour, il était parfait. Il a fini dans une superbe action, montrant que les parcours de tenue lui convenaient toujours autant. Bah ouais. Non, moi j'étais pas trop inquiet par la distance. Et puis il avait bien couru. Voilà, bon, on tente le déferrage. J'espère que ça va nous donner un plus. Quel serait le scénario idéal pour vous dans cette course qui s'annonce hyper ouverte? Bah déjà, ce serait faut qu'il y ait du rythme, que ce soit pour une course tactique, mais avant le coup, je pense pas. Et puis d'avoir une bonne course, mais comme tous les chevaux de la course, d'avoir un bon parcours et il va finir vite, quoi. Donc il sait finir vite, on l'a vu. Donc l'idéal, pas être trop loin et qu'il puisse s'exprimer pour finir.